Nous allons terminer notre formation vidéo sur comprendre un bilan par un dernier chapitre qui s'appelle donc analyse fonctionnelle du bilan, qui est le chapitre le plus important puisque c'est grâce à trois indicateurs que nous allons voir en détail qui va vous permettre, eh bien, de bien analyser, je dirais, la performance de votre société et de voir si besoin, eh bien, par rapport à ces trois indicateurs, qu'est-ce qu'il faudrait améliorer pour que vous ayez une situation financière, je dirais, satisfaisante. Donc, lorsque on vous remet donc le bilan, hein, quand on analyse l'actif et le passif, eh bien, ensuite, on arrive à l'analyse indicateur, hein, que l'on appelle le fonds de roulement net global, le besoin en fonds de roulement et la trésorerie nette. Alors,